Mais d'abord, on revient sur ce nouveau coup de vent qui a secoué l'Aube aujourd'hui. Le département était placé en vigilance jaune, soit un cran de moins par rapport à la tempête de la mi-décembre. Les dégâts sont logiquement moindres également. Les pompiers du département ont enregistré une trentaine d'appels et une vingtaine d'interventions pour des objets ou des structures menaçant de tomber. De son côté, Météo France a enregistré des rafales en pointe à 111 km/h du côté de Selles-sur-Ours, 95 à Mâtho près de Brienne-le-Château, 93 km/h à Barberey-Saint-Sulpice. Aucun incident majeur dû à ces coups de vent n'a été enregistré par la préfecture de l'Aube.